Salut les amis, c'est Evals et aujourd'hui, petite ouverture un peu spéciale de booster, étant donné qu'on va regarder des boosters virtuels sur Yu-Gi-Oh! Duel Link. Alors ça fait un moment, peut-être même plusieurs moments que je dis que je vais enfin faire des vidéos sur ce jeu, et on va commencer tout simplement avec de l'unboxing, puisque dans cette boîte, dans ce display, il est possible d'obtenir l'ultime dragon blanc aux yeux bleus, qui est une carte que j'aime tout particulièrement et que je n'ai pas. Et comme j'ai pas mal de points sur le jeu, je me dis que ça pourrait être intéressant de tout dépenser jusqu'à essayer de l'avoir. Donc, 10 packs, c'est égal à 500 gemmes, et j'ai un total de 4315 gemmes. Donc, autant dire qu'on peut en acheter une petite partie, quoi, une quarantaine. Et donc, c'est parti pour acheter les 10 premières boîtes. Oui. L'achat en cours, je vais ne pas éteindre l'appareil ou fermer l'application. Alors, s'il y a des petits Kuribos, c'est que c'est bon. Un gros Kuribos, c'est génial. Et en plus de ça... Si on a Kaiba, ce sera encore mieux. On n'a pas Kaiba. Alors, ouvrons ce booster. Alors, Ascendant Malveillant. Ouais. Conscription, qui est une carte pas mal. Et Crabe Tortue, un monstre rituel aqua. Bon. Pas non plus un truc exceptionnel, mais bon. Carte sympa. Ensuite, Gardien Baou. Baou. Le gardien du crâne, encore un monstre rituel. Et Mouka Mouka. Cette carte gagne 300 d'attaque défense pour chaque carte dans votre main. On va dire c'est le sliffer du pauvre. Pour rester poli. Ok. Continuons. Le plumeau en plume de griffon. Le gardien du crâne. Et Ita, la charmeuse de feu. La charmeuse de feu, charmeuse de vent et charmeuse de terre, je crois. Il y a plusieurs charmeuses. Mais peut-être même plus que ça. Bref, continuons. Gardien Baou, à nouveau. Gardien du crâne. Et à nouveau Ita en rare. Ouais. On peut aussi obtenir des cartes rares et ultra rares sur le jeu, ce qui est plutôt sympatoche. Erina la déchaînée. Ok, magicienne. Oiseau de la foi, bon, c'est connu, hein. Brouilleur de piège, que j'ai en plus IRL et que je crois que j'ai mis dans mon deck guerrier, je crois, si je ne m'abuse. Alors, 7, lorsque vous avez 3 7 face recto sur votre terrain, piochez 3 cartes de votre deck, trouvez ensuite toutes les cartes 7, lorsque cette carte est envoyée depuis le terrain au cimetière, augmentez vos life points de 7000 points. Ah ouais, mais les cartes 7, en fait, sont pas mal pour les cartes casino. Je me rappelle pas des effets de cette carte. Bref, vive de la magie dissimulée. Durant votre tour, ciblez deux cartes magie dans votre cimetière, mélangez de la cible dans le deck. Et à nouveau un crabe tortue. Bon. Ok, c'est bon qu'on va quand même avoir des meilleures cartes comme ça. Win, la spectaculaire. Mouais, goutte d'ombre et tremblement de terre. J'aime tous les monstres face recto sur le terrain plus son de défense. Bon. Magie, main de. Oh, ça a déclenché. L'avalanche. Chat noir à queue blanche. Deck chat, c'est pas mal. Un nouveau brouillard de payage, mais en rare. Bon, allez, s'il vous plaît, je veux l'ultime dragon blanc. Un poisson, baleine forteresse en rituel. 2350-2150. Je suis pas très fan des monstres rituels quand ils sont pas défaits. Et cette carte ne peut être invoquée que par invocation rituelle, c'est une très vieille carte. Soldat élémentaire. Et exécution d'un contrat. Bon, si vous voulez voir les effets des cartes, vous mettez pause à la vidéo. Moi, je regarderai tout ça tranquillement. Je veux pas que la vidéo non plus dure 3 heures parce que c'est quand même pas mal à ouvrir. Pluie de météorites. Cette carte, je la connais pas du tout. Par contre, durant ce tour, lorsque vos monstres attaquent avec une attaque supérieure à la défense du monstre en position de défense, infligez la différence au life point de votre adversaire en tant que dommage de combat. Ça, ouais. Sur du Duel Link, ça peut être pas mal, quoi. Et Thrice, épée jumelée aux éclats lumineux. Envoyez une carte depuis votre main au cimetière, équipez cette carte à un monstre, il perd 500 attaques, mais durant chaque battle phase, il peut attaquer une seconde fois. C'est pas mal. Sur Duel Link, ça peut être pas mal, c'est un gros monstre. Derrière, tu rééquipes une autre attaque qui permet d'augmenter, mais voilà. Ok, bon, première display, pas foufou. On en ouvre une deuxième. Allez. On y croit. On y croit. Serment de la tortue. La carte officielle qui permet d'invoquer le crabe tortue. Sablier du courage. Cette carte est invoquée normalement par flip. Son attaque et sa défense d'origine sont divisées par deux. Jusqu'à la même phase. Hein. Après ça, son attaque et sa défense d'origine sont doublées. Alors, faut la jouer avec une épée de lumière, ça peut être pas mal, parce que ça fait un monstre à 4 étoiles à 2002-2004 ensuite. Donc c'est sympa. Ok, ensuite, Serment de la Baleine Forteresse, donc la carte de qui permet de l'indiquer. Grand Mammouth de Goldfin, et Défenseur Résolu. Ok. Ouais. Pas trop content, mais... Ouais. Ensuite, Tornade, magie rapide, activée uniquement s'il y a 3 cartes ou plus dans le magie piège, Ascendant Malveillant et la Charmeuse de Terre, voilà. Donc il y a Terre, Feu, Eau peut-être, et un nouveau serment, Grand Mammouth, exécution d'un contrat. Ah, j'ai que de la merde. Communication avec l'Aqua Miroir. Ah, Bicuribox. Donc un fusion entre Bloc Grossier et Clone de Rêveur.
Et Homme, oh là, ah, je connais pas cette carte. Un elfe, cette carte est invoquée normalement. Ciblez une carte magie d'équipement dans votre cimetière. Bannissez la cible et si vous le faites, ajoutez-la à votre main durant votre prochaine standby phase. Ok, c'est on bannit la carte équipement pour la récupérer. Ok, tu veux jouer en équipement, mais. Je crois qu'aujourd'hui il n'y a plus trop de decks qui jouent en équipement, honnêtement. Javelot enchanté, lorsqu'un monstre de votre adversaire déclare une attaque, augmentez vos life points des points d'attaque du monstre attaquant. Ouais, ça peut être pas mal ça. Plumeau, donc en plumeau griffon, et. Skellangel, donc piocher une carte que j'utilise dans mon deck Exodia Tricheur sur Legacy of the Duelist. Ration Z, un nouveau 7. Oh ça, la charme de terre. Ah, la main ascendante. Restructeur Révolution. Et win la charme de vent. Par contre, je suis en train de penser, vu que en fait c'est un peu le système du speed duel sur Duel Link. Le système des 3-7, en fait, on est un peu bloqué pour jeu défense sur un magie piège, donc c'est peut-être pas le meilleur truc à faire sur Duel Link. La charmeuse de lumière, je savais pas qu'il y avait charmeuse de lumière, donc à mon avis, il doit y avoir tous les éléments. Alors, tornade, magie rapide, déclencheuse d'avalanche et oiseau crâne rouge. Et voilà, donc rien du tout par contre dans cette ouverture là. Bon, continuons. Il est là, je le vois là, je le veux! Je vais dépenser toute ma thune. Je m'en fous, je veux. Oh! Ça, c'est que dedans, il y a une ultra. Ou une super. On va bien voir. Gardien Trice. Passage secret vers les trésors. Et Skellangel en rare. Ok. J'aurais été content de voir une violette. Mais c'est pas une violette. Donc. Baguette de l'œil de l'esprit. Restructeur révolution. Je connais pas. Affiger 2000 points de dommage au life point de votre adversaire pour chaque carte dans sa main. Ah, il y a mon chat qui appelle les oiseaux. Tremblement de terre. Ok. Ça fait de l'ambiance, tiens, rien. Tu te mets à faire du hip-hop, du beatbox. Tête cheveux serpent, chamboulard de cartes et charmeuse de vent. On va avoir tous les charmeurs, mais on n'aura pas. Oh, oula, Kaibak apparaît. Baleine forteresse et masque du maudit. Une carte qui est bien peu de couilles, qui peut être intéressante pour faire chez Marvin sur Duel Link. Parce que je sais qu'il l'a déjà utilisé, lui ou Biscuit l'a déjà utilisé. Sur ma gueule et c'est chiant. Crochet de serpent. Épée de la noire destruction. Celui-ci, cette carte-là, je l'avais quand j'étais tout jeune dans le deck de Yugi, le tout premier, il me semble. Un monstre ténèbre équipé avec cette carte augmente son attaque de 400 points et diminue sa défense de 100 points. Ouais, c'est ça, je l'avais. Il me semble bien que je l'avais dans le deck de Yugi, le tout premier de l'époque quand j'étais gamin. Et la charmeuse de lumière. Ok. Âme ascendante, Samsara et soldat de réserve. Bon. Ah. Non, même pas, je vois pas de jouer. Chaussure mordante, c'est quoi cette carte? Je connaissais même pas. Changer la position d'attaque ou de défense d'un monstre face recto sur le terrain. Cette carte doit rester face recto. C'est ouf, une chaussure quoi. Bon, Toxinelle des Damnés à 4 étoiles, je l'ai. Ok. Alors, ration Z, âme ascendante et tribu de l'oreiller de chat. Tribu de l'oreille de chat. L'attaque d'origine de tous les monstres de votre adversaire ayant combattu contre cette carte durant son tour devient de 200 durant le domestique. Wouah! Un truc qui la rendrait indestructible et à chaque fois que le monstre veut l'attaquer, il perd d'os. Ça pourrait être pas mal. Ok, livre d'art secret, d'accord, bon, un intéressant. Sur la tortue, Samsara, Trice, épée jumelle aux écoles. Ah, rien d'intéressant à nouveau, putain. Parce que je joue un deck Blue Eyes aussi, hein, comme IRL, donc j'aimerais bien faire un deck Blue Eyes et en même temps un deck Ultimate, quoi. Avec l'ultime dragon blanc, je veux. Magicien élémentaire, gardien Baou, masque de dissipation. C'est une carte magie recto sur le terrain, le contraire de la carte reçoit 500 life points de dommage durant chaque standby phase. Putain, mais tu joues les deux masques, ça fait chier quoi. Il y a moyen de faire chier l'autre. Itala flamboyante, Samsara, malédiction de vieillissement. Ok, 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 ok. Itala flamboyante, roi de Yami Mankai et tribu de l'oreille de chat, qui est pas mal en fait. Même. Ok, bien sympathique. Itala flamboyante, hausse du moral et malédiction du vieillissement rare, ouais. Allez, donnez-la moi, conspiration, sablier du courage, tout grossier. En effet. C'est quoi la commune alors avec le clown? Ou alors c'est la même existe en effet maintenant. Est-ce que cette carte part de sa position de défense à la position d'attaque, renvoyer un monstre sur le terrain de notre adversaire dans la main de son propriétaire. D'accord. Ouais. J'aime pas que cette carte-là existe en effet. Communication avec la croix miroir et le nouveau Bikuri Box. Bon.
Cessez le feu forcé, passage secret par les trésors et clown de rêve. Il y a des decks zombies là-dedans. Il y a des cartes zombies, par exemple. Okay. T'as Kaiba avec de la chance et. Juge, bah oui, c'est une carte qui fait partie du deck de Kaiba. Donc logique que Kaiba réagisse en disant c'est ma carte. Cessez le feu forcé, chat noir à queue blanche. Je peux faire un deck chat là avec toutes les cartes chat que j'ai eu. Exécution d'un contrat. Puis 800 points de vie, sélectionnez un monstre rituel dans votre cimetière et faites-en l'invocation spéciale. Équipez-le avec cette carte. Café détruit, retirez le jeu du monstre. Ok, d'accord. En carte magique, bon, ouais. Ah, Excellion, dragon divin. On voit même pas les effets de la carte, quoi, c'est ouf. Je vois même pas. Ah là. Cette carte est invoquée par invocation normale. Suivant pour un dragon divin dans votre cimetière, ouais. On attend un truc un peu plus. Surtout pour un son d'étoiles, quoi. C'est une carte à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. 5 étoiles, donc c'est-à-dire ça demande un sacrifice. Je trouve qu'elle est pas tip top, quoi, sur mon avis. Hein. Par contre, je sais parce que je sais pas la jouer, tout simplement. Oh, 3 coups niveau. Oh, 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 tout brille. Kaiba apparaît. Ça sent bon, ça. Mais non, je vois pas. Gardez le crâne. Oiseau supersonique. Tout ça pour l'oiseau supersonique en ultra. Bon. C'est bien, mais. C'est pas ce que je veux. La chaussure, cage rituel, par à l'interception. Par à l'interception. Go, go, go. Allez, chamboulleur de cartes, démon élémentaire et le dragon zombie. Pareil, elle était dans le deck de, le premier deck de Yugi, il me semble, parce que je l'avais. Ou alors je l'ai eu dans un booster quand j'étais gosse. Javelot enchanté, défenseur évolu. Bon. Je passe hein, pour les cartes qui sont pas intéressantes, je trouve, que je recherche absolument pas. Qui peuvent être intéressantes aussi pour vous, peut-être, mais. Malheureusement pas pour moi, crabe tortue en rare. J'en ai à foutre. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans... Si quelqu'un d'entre vous joue le crabe tortue, respect. C'est que je passe à côté de quelque chose. Quoi. Gardien triste, serment de la tortue, soldat de réserve. Bon. Samsara, soldat élémentaire, exécution d'un contrat. En plus, il me reste 1815. Ouh. Kaiba nouveau. Ça sent bon ou pas? Non, ça sent pas bon. Et la coccinelle en super rare. On détruit tous les monstres de niveau 4 d'adversaire, ça peut faire chier, mais bon. Eria, ration Z, tremblement de terre. Et le dernier pack. Insect soldat, machine alimentaire et par interception. Bon. Pareil, rien de bien folichon. Donc il me reste 1800 gemmes, c'est 500, donc je peux encore acheter 30 packs. Donc hop, on achète un de plus. 3 Kuribo. Win, magicien alimentaire et Skeleton Angel. Après, je m'en fous de l'avoir en ultra rare. Je l'avais juste. Je veux cette carte quoi. Chaussure mordante, la prière de Novox et. Nice. Les deux jumelles. Mouais, mouais, mouais. Conscription, chamboulleur de cartes, défenseur résolu. On peut pas sentir un peu mieux. Ascendant mélange. Oh, défenseur résolu à nouveau. En rare. Ouhou, quelle chance. La prière de Novox, roi de Yanimakai, oiseau de soleil cramoisi en rare. Le chevet de serpent, communication avec la croix miroir, clown grossier. Il va attendre en fait que j'ai tout le stock qui est là quoi pour pouvoir me le donner. La prière de Novox, chaussure mordante, livre d'art secret. Pour un monstre magicien, ouais c'est ça. Allez, trois petits courribos en or, la tête de Kaiba, plus de météorite, lina, brouillard magique en ultra rare. Ça fait plaisir mais. Passage secret, ghoul, par l'interception rare. Et le dernier pack. Ouh, petit signe égyptien, mais. Oiseau. Non, et ouais, dommage. La violette, je me suis dit, putain, trop cool. Mais bon, ça pour avoir Dark, la charmeuse des ténèbres en rare. Donc il y a aussi ténèbres là. Donc il y a lumière, ténèbres, quoi. Il faut bien tous les attributs. On va le vider, hein, ce truc. Hein. Je m'en fous. Je veux l'avoir. Allez, coup de deux. Ah. Non. Non, non. Brouillard de piège et voilà. Chasseur des ténèbres en ultra ou rare. J'ai pas bien fini. Démon élémentaire, grand mammouth, livre d'art secret. Peut-être des Kuribo, mais une météorité. Pour avoir tribu de l'oreille de chat en rare. Pourquoi pas? Ouh! Ah, pas la tête de Kaiba, donc malheureusement. Ouais, c'est pour avoir Baou, quoi. Flamberge, genre, il fera. Dommage. Crochet de serpent, ration et l'écuribox en rare. Gardien du crâne, Ita. Je pense qu'à mon avis, il la donne vraiment à la fin aussi. Je sais pas si c'est vraiment aléatoire ou pas. Pour moi, je pense pas que ce soit aléatoire. Il la donnerait pas comme ça, quoi. La probabilité, elle serait trop élevée, en fait. Je pense qu'ils attendent que tu dépenses vraiment un maximum de points.
Voir, tu peux l'avoir que si tu payes avec du vrai argent. Au million. Putain, rare. Et dernier booster, baguette de l'œil de l'esprit et brûleur de piège. Hein. Bon. Bon. Et on termine avec le tout dernier. Allez, on va y aller tout doucement. On va garder l'espoir. Hausse du moral, malédiction de vieillissement. Ok. Boule d'ombre. Serment de la tortue. Clown de rêve. Tiki parasitaire. Hausse du moral. Oiseau, crâne rouge en rare. Putain, 4 sur 10 packs quoi. Cessez le feu renforcé. Ration Z. Azura. Hausse de moral. Communication avec le premier miroir. Clown grossier. Est-ce qu'on va l'avoir à la fin, ça serait épique. Baguette de l'œil de l'esprit, tête cheveux serpent, épée de la mort destruction. Ouais, il n'y a pas la tête de Kaiba. Putain, j'y ai cru. Au fond de moi, j'y ai cru, j'étais content. Tourbillon, payer 500 points de vie et 6 BN4. Mais je piège sur le terrain maîtrisé là. Vas-y quoi. Démon élémentaire, dragon zombie en rare, lyra en rare. Avant-dernier booster, lame et vol, oiseau de la foi, excellion, dragon divin. Ah putain, on l'a pas. Plus une météorite tremblement de terre. Il me reste un peu de sous-sous. On va acheter des petits packs. Ah, on peut acheter directement 6 packs. Vas-y, 6 packs pour 300. Allez, ce sera les derniers. Il nous faut. Ok, donc premier pack, ça lui du courage. Tribu à nouveau de l'oreille de chat. Deuxième pack, absorption vitale magique. Cage rituel, défenseur résolu. C'est triste, hein. Oiseau de la foi, oiseau au crâne rouge, cadeau de l'éléphant blanc, nouveau, j'avais pas encore celle-ci. Envoyer un monstre face recto, puis... Ah, envoyer un monstre face recto que vous contrôlez, puis piocher deux cartes, que j'ai utilisé d'ailleurs en live la dernière fois. Ok, pas de tête de Kaiba, donc à nouveau, voilà. 5 sur 6. Win, la spectaculaire, serment de la même forteresse. Ah, il y a la charmeuse d'eau, putain, allez. C'est le dernier pack, c'est mort. Oiseau de la foi, Ita et Ambulon. Non! Putain! Je suis deg! Putain, j'aurais tellement voulu l'avoir! Il manque pas grand chose. Voici quand même. Oh la vache. Ah, ils ont pas été de ma mort sur le nombre de cartes que tu peux avoir dedans. Même, j'aurais bien voulu au moins avoir le fragment de cupidité, quoi. C'est toujours un petit truc qui fait plaisir. Je suis d'accord. Bon, bah les amis, merci en tout cas d'avoir suivi cette petite vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à suivre la chaîne, hein, bien évidemment, et sur les réseaux sociaux, et tout ce qui s'ensuit. N'hésitez pas non plus à faire un petit tour sur YouTube pour faire un don gratuitement, juste en regardant une petite vidéo. Bisous à tous, à bientôt. Tchuss.